Break a mirror, roll the dice, run with scissors through a chip and firefight. Go into business with a grizzly bear, but just don't sit down, 'cause I've moved your chair. Start a fight. Where you're
ça commence direct. Ah putain! Je savais bien qu'il y avait un mec là-dedans. Merde!
Putain, ça paraissait évident, quoi. L'immeuble sur lequel j'atterris, y'a rien, quoi. Vraiment que dalle. Mon dieu. Ouais, je vais tout. Bah voilà. Pas de med kit quoi. Ça va et toi Gwen? Donc j'ai vraiment hésité ce matin, je me suis dit est-ce que je suis vraiment motivé? Bah ouais, je me suis motivé. Et vu que je savais pas trop à quoi jouer, bah je me suis dit que j'allais jouer à celui-là. Et... je sais pas si je vais jouer toute la matinée, si ça finit par me gonfler. Parce que... on sait très bien que moi... c'est plus à... c'est plus en multiplayer qui me plaît celui-là. C'est plus en, en équipe. Donc... si ça finit par me saouler, j'irai jouer à autre chose.
Mais en attendant, ça me réveille aussi. Une voiture. Alors je vais faire une Yamato quoi. Mais non, ça va, le gaz, j'ai le temps. Bah oui, je suis à l'autre bout de la map. J'aurais espéré trouver des medkits ici, mais même pas quoi. Que dalle. Ça fait chier parce que quand je suis tombé en parachute, il y avait une voiture qui traînait toute seule. Et il y a un mec qui a dû pop aussi dans la ville et qui l'a prise et qui s'est barré quoi. Ah non, elle est là. Là. Posé comme ça là. Bah écoute. Sauce hein. Elle était pas là 10 secondes avant quand je suis passé. Je crois. Salut Tatara. Qui est passé par là. Même spawn ici pour le coup. On était quelques-uns à spawn dans le coin. J'ai laissé. J'ai assez de bandage pour le coup. Mais cela dit, Datara, si après t'as envie de venir jouer avec moi. Bien grand en face, tout seul, c'est pas forcément toujours rigolo, Shinzeba. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, Cumberbatch en... En strange, il est bien, ouais. En même temps, Cumberbatch tout seul, il est tout juste. Cumberbatch, il est bien. Hein. J'adore cet acteur. Hein. Franchement, tout ce qu'il fait, je trouve c'est à chaque fois génial, quoi. Bah, Mads Mikkelsen. J'adore cet acteur. On le voit pas assez. Bon. Hannibal, il est tellement exceptionnel. Du nouvel an même tu veux dire. J'ai trouvé un pauvre medkit quoi. Michael Bay prend la fuite, exactement.
Salut Impac, comment ça va? J'y suis. Bien, je me suis mis bien quoi. J'aurais bien aimé trouver une AK-47, mais bon. On peut pas tout avoir dans la vie. Tout ça en plus pour mourir dans d'atroces souffrances. Salut Palmy, ça va? Ce sont, il y en a un qui a tué l'autre. Oh putain, je lui mets dans la tête. Ça fait sauter son casque. Putain de merde. Ah. Sauter son casque, mais ça le tue pas. Fait chhh. Non mais en fait, il y en avait que un des deux qui était mort en fait. C'est pour ça que je suis pas retourné. Ouais, quand je l'ai vu se planquer, j'aurais dû switch sur le pompe. Ouais. Ah. Ce jeu est une alpha. Il a même pas renvoyé au menu le truc. Il a crash direct. C'est n'importe quoi. Nom de Dieu. Bon, je suis rejoint par l'autre bras, par un autre bras cassé. Ça fait plaisir, on va mettre un peu plus bras cassé ce matin. Salut Live Laser Gaming, comment vas-tu? Et bonjour à toi. Enfin, si tu es bien, si c'est bien sûr le matin là où tu es, je sais pas où tu es. Comme écran pas cher, mais ça dépend ce que t'appelles pas cher en fait. Ça dépend vraiment de ton budget en fait, après on va en parler. En général, en marque, je te conseillerais BenQ. Après, faut voir après ce que tu cherches exactement. Quoi. Mais BenQ, c'est de la bonne cam, hein. Ça fait le taf, c'est fait pour le gaming en plus, donc. En même temps, Palmy tout seul, je perds aussi. Hein. Le son du jeu est fort. Rien que pour cette provocation, on va finir premier. Alors BenQ, foncièrement, c'est pas forcément donné. Mais après, faut voir ce que tu cherches exactement. Quoi. Ça dépend la taille d'écran, ça dépend le rafraîchissement. Enfin, il y a plein de trucs, en fait. Il y a plein de paramètres, en fait. C'est vrai que c'est... Bah c'est comme quand on dit
quand tu demandes une config d'ordinateur, tu vois, il y a un truc pas trop cher mais qui fait le boulot, bah il faut savoir ce que tu cherches, qu'est-ce que tu cherches en général, en gros, et aussi bah, le prix que tu mets dedans en fait, parce que avoir le budget pour pouvoir trouver, pour pouvoir recouper. Si tu veux tout savoir, moi j'ai un écran pour jouer, c'est un BenQ, et celui qui est à côté de mon deuxième écran, c'est un Acer, tu vois, donc, parce que celui d'à côté me sert pas à jouer. Donc voilà. Ah non, mais je te préviens, on fait pas les fougères, hein, Data. On rush, on est des ouf. Qui déplace, c'est-à-dire c'est un qui peut se régler en truc comme ça. C'est de même, moi les écrans que j'ai sont pas comme ça, donc je veux dire, en écran je connais pas par cœur les écrans, donc je dirais que pour ça il faudrait que j'aille regarder et que je me renseigne un petit peu, quoi. Mais là de tête, je veux dire, essaye de voir chez BenQ s'ils ont ce qui rentre dans ton ordre de prix. BenQ, c'est une très bonne marque. Maintenant, personnellement, j'ai jamais été déçu par les Samsung. Par exemple, la marque Samsung m'a jamais déçu. Maintenant, voilà, c'est BenQ, c'est le top. Ils sont pas excessivement chers pour ce qu'ils font. Maintenant, ils sont chers. Allez, salut Datara. Hello. Hello, hello. On est bien réveillé, on va bien jouer. Tu te réveilles, c'est ça? T'es en train de te réveiller? Je me suis réveillé à 9h, donc... Oh, bah ça va. Ça va, t'as eu le temps de te réveiller un petit peu. T'es prêt à te pointer des bombes sur la gueule. Et donc, oui, enfin, la mise à jour d'H1Z1, elle était costaud. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas créé mon perso en 2v2 encore. Alors... Et au final, j'ai pas vu un seul bâtiment. Les nouveaux bâtiments ? T'as pas été dans la base. La base militaire, elle est sympa, elle a de la gueule. Y'a pas le mec qui te trash direct. Hey, salut, c'est moi. Alors, ce matin, on va jouer à la chose, hein. Je suis désolé d'ailleurs s'il y a des personnes qui follow, je le sais absolument pas, Twitch Alert est complètement buggé ce matin, c'est... J'ai essayé de le relancer plusieurs fois mais apparemment il envoie pas les alertes. Je vais refaire le test pour voir. Ouais non, il marche pas quoi. Je vais recréer la fenêtre. Twitch Alert, depuis que c'est passé en gratuit, ça part quand même beaucoup en couille. Il y a des pubs. Non, ça marche plus. Une fois sur deux, ça marche pas.
encore un truc qu'ils ont basé en Inde, c'est quoi ça? J'aime bien mon tweet pour parler du fait que tu m'as rejoint. C'est matiné, hein, putain, y a beaucoup de gens dans la salle. Hein. En 2P, ouais, ça a du mal à se remplir. En one player, c'est blindé de chez blindé. En 2P, ça a l'air d'avoir du mal à se remplir. Putain, 2P pourtant, ça va quoi. Oh, ça va se remplir. Lentement mais sûrement. J'espère, faut quand même qu'il y ait des gens à tuer quand même. Ah, le temps que les mecs meurent de leur de l'autre BR2 qui est en train de tourner, tu vois, c'est toujours pareil. Il y a personne qui gueule dans son micro. Ah oui, aussi, ouais, les mecs sont bien. Salut Elangelo, comment vas-tu? Ou hi, I don't know if you are French or not. Je trouve que c'est une bonne question. Ça se trouve, il n'est pas français vu qu'il dit hello, mais bon, les français disent aussi hello, donc... J'arrive à faire des trucs avec mon 4x4, mon dieu. Enfin, avec mon pick-up de merde. Et les figures de style. On dirait Yamato au volant d'une voiture. Je l'ai, le hot shot avec Yamato qui fait une vrille avec la voiture de police en tapant dans une poubelle. Oui, je l'ai. Une compilation de l'ennemi, hein. Grand creux. Amuse-toi bien, Palmy. Tu me diras ce que t'en as pensé une fois que tu reviendras. You're Russian. Oh, no. Suka. No. You're Polish. Kurwa, Polish. Suka Russian, yeah. Kobriet. We all know that. Ah, c'est bon, c'est les deux mots que t'entends. We play Counter-Strike, we all know these words. Je sais, Gwen, j'imagine. T'as jamais passé autant de temps dans la salle d'attente. J'avoue. Oh, ça va peut-être se... Yes for the Polish or Russian? Gwen, c'est vraiment salopard. Bon alors on est où? Oh super, on commence par un spawn de merde. C'est génial. Le pire spawn possible. Excusez-moi. Ok, ouais, welcome Elangelo. Ouais, on va aller près du lac dans les maisons. On n'a pas trop le choix de toute façon. Me fait la première petite maison là. Ouais. Salut Palmy, bon film. Enjoy. Pas Phoenix. Alors, bien sûr. Petit spoiler avant que t'ailles voir le film. Alors le Dark Vador, c'est le père de Luke. Le bâtard. Dark Vador, il a un sabre laser rouge. C'est bon, t'as une arme? Ah attends, je vais te filer le flingue parce que moi j'ai une AR. J'ai un Magnum. Je vais te filer le M19 aussi. Moi j'ai une AR donc ça va aller. Alors attention, là, hop, dessus. Tiens, toutes les, t'as les balles et le... Et on va changer les skins du t-shirt aussi. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas changé mon skin, putain. C'est pas bien, rien ne va dans cette histoire, j'ai pas changé mon skin. Un peu de tenue, bon. Oh, y a des balles de shotgun qui traînent, y'a pas un shotgun dans la salle? Non, y'a pas de shotgun. Des fois elles traînent sur le truc comme ça, t'en as deux ou trois, mais y'a pas de shotgun. Quoi.
Je ferai une opening case, un de ces quatre aussi, parce que j'en ai une chier à ouvrir. Okay, faut que je me décide à me dire, faut que j'achète les clés et tout. Faut que je mette des sous. Alors, t'es parti par où, t'es perdu ? Sud-est, vers le lac. Sud-est. Vers le lac. En plus, il y a le brouillard direct, quoi. Là, je sais qu'on me voit de loin. Pourquoi t'as mis quoi comme skin ? Qui fait peur. Non, mais t'as mis la tête d'épouvantail, je l'ai aussi. Mais t'as mis quoi en haut ? T'as mis torse nu ? J'ai mis un t-shirt bien voyant. Un truc. Le mec, on va le voir à des kilomètres. Tu veux te cacher dans une fougère ? Non, c'est mort. Pour qu'on me voit encore plus, faudrait que tu me mettes une molo dans la tronche, je pense. C'est ça. Regarde, regarde le con, il est là-bas, tu sais. Il y a un sac à dos et des balles de M19 dans la maison dont je ressors. Mais j'avoue, effectivement, t'es pas visible du tout. Remarque, tu me diras le t-shirt jaune si tu te mets dans les fougères de Raspberry. Ça passe, hein. Oh putain, AR sans mune. AR sans mune. Ouais, ça veut dire qu'il y a des mecs. Pas cool, ça. On va faire toute la maison. Pas vraiment qu'on arrive à se trouver un skin qu'on mette tous quand on fait aussi les BR5, quoi. Histoire d'avoir. Comme les gens en pyjama. Histoire de pouvoir se reconnaître et de se dire on tire pas dessus instant, tu sais. Ouais, parce que le jour où ils feront. En fait, on va retirer les flèches. Ouais, c'est ça. Dans une vraie optique de survie, on vous enlève les flèches. Quoi ? Pour en faire une simulation. Un shotgun avec des munes ou pas? Avec des munes, ah ouais. Donc en fait, ils ont pas tout vu fait. Vu que j'avais pris les munes, je sais pas si c'est chelou. J'ai vu une. Tu l'as vu la AR en plus sans munes? Ouais, je l'ai vu la AR. Hein. Elle était posée tout seul. Après, ça se trouve, c'est une AR qui avait pop sans munes aussi. Mais bon, à voir. Oh tiens, un shotgun aussi. Un shotgun, une AR, tout va bien. Équipé pour les combats en forêt, prêt pour la chasse. Les mauvais chasseurs. Ramasser toutes les stones de grenades qui traînent. Et bon, on est, tu sais quoi, on est dans la safe zone. Donc on s'en bat les couilles. Oh, un kit. On avait pas. Au moins j'ai deux smoke grenades, on peut fumigène du stade, c'est cool. On va pouvoir mettre l'ambiance, ohé ohé. On voudrait des fumigènes rouges et tout. C'est clair. Dans les fumigènes verts, tu sais, la grosse trappe pour le comment ça s'appelle, le bomb drop, enfin le airdrop, tu sais. Tu jettes et des mecs qui croient que c'est là et bam bam bam, tu les attires. Oui, je suis une pute, et alors? C'est vraiment cool comme idée, mais je sais pas s'ils pensent ajouter des trucs comme ça. Jouer des hélicos, des trucs comme ça, ce serait marrant. Ouais, ça je pense pas, par contre, pour le coup, qu'ils le feront, mais... Mais y a moyen qu'ils rajoutent des trucs sympas, je pense. Smoke grenade. Stun grenade, non, bah non. Stun, c'est un coup à la rater et à nous stun tous les deux. T'as des balles d'AR ou pas? J'ai pas d'AR donc. D'accord. Bah. J'ai pas pris l'AR, j'aime pas trop ça. T'aimes pas? D'accord, parce que moi j'en ai une chier de balles. J'ai plein de munitions de shotgun.
Ok, bah c'est parfait. Si tu préfères jouer au gun et au flingue. It's your choice. Statistiquement, j'en tue plus au shotgun qu'à l'air, donc... C'est ton choix, écoute. C'est mon choix, oui. L'émission sur la 2. Oh putain, tu m'as fait flipper, quoi. Ah, ça fait peur, hein. Ouais. En même temps, dans mon cerveau, ça a fait « Ah, il est jaune, c'est mon pote. » Bon, cette maison-là, il n'y a jamais de truc. Il manque plus que les gilets pare-balles et puis c'est bon. Il y a l'avion qui va lâcher son petit drop. Il n'y a pas de lit, il n'y a rien du tout. Ah, voilà l'avion. Quel côté l'avion ? Juste au-dessus là. Ouest. Il est en train de passer quasiment au-dessus du lac en fait. Et soit il a déjà drop. Je pense qu'il a déjà drop en fait. Ouais, il a drop en haut de la safe zone, quoi. Putain. Je verrais, non si... Non, non, bah non, il y a le brouillard, en fait. Ah, ouais, putain. Ah, si, je le vois. Ah, ouais, il est de l'autre côté du lac, en fait. D'accord. C'est du lac. En fait, il tombe là d'où je suis, je le vois, la lumière qui clignote. Plein nord-nord-est. Il est en train de tomber, tu vois. Ouais. On voit juste la lumière, quoi. C'est ça. On y va? Ouais. Le temps qu'on arrive, les mecs ils l'auront vidé trois fois, tu sais le truc. On traverse le lac. On va arriver, faudra bouger parce que la zone aura changé, tu sais. Et des mines de ouais, des mines de pompe. J'ai 48 munitions de pompe, ça va. T'as combien de medkits pour savoir? Alors attends, je vais t'en dropper un, deux autres. Hop. Ah, par terre. Comme ça on en a trois chacun. Là, je peux éliminer tous les mecs qui sont encore dans la partie. What? El Angelo? I don't speak Russian. Or Polish, I'm sorry. It's Russian. I don't speak Russian. Il y a des munitions de... pompe sur une étagère. Les rednecks, là. Avec du pompe partout. Oh, I didn't get it. I didn't get what you wanted to say to me. C'est des mots anglais que je connais pas en fait. C'est des mots anglais bien sûr. C'est sûr que tu veux pas une R. J'ai 360 balles. Je me fais tout le temps niquer quand je tire à la R. Bon. Comment on procède? Est-ce qu'on va au sud voir le camp de Manouche, etc. Voir s'il a été laissé un peu tranquille. Trouver des trucs intéressants ou est-ce qu'on remonte vers Cranberry? Bah au sud il y a un camp de Manouche au sud de là où on est en fait. Il y a un petit camp de Manouche à faire. Ouais, chez les Manouches. Bah sinon on peut aller tout au sud aussi au de Soto Service Top machin là. Peut-être qu'il y aura une voiture. Hein. D'ici la prochaine zone, on essaye une première fois déjà. Hein. Là je te vois plus donc. Tu es derrière toi c'est pour ça. Ah si t'es là-bas. Bah, on peut aller chez les Manouches et puis après. Non, suis-moi ce par là, les Manouches. Après, on peut toujours repiquer vers tout en bas. Ils ont peut-être une bagnole. Ça se trouve, tout en bas, il y aura une voiture aussi. Tout en bas, si tout en bas on a une voiture, après on peut se déplacer sereinement quoi. En méfiance quand même parce que je me demande s'il y a quand même pas un mec qui avait pris genre les munes d'AR, qui avait une AR avec lui tu vois. Et qui s'est dit je pars direct au sud. Ils ont laissé toutes les munitions de pompe, c'est pas possible. Oui non mais le mec il a juste pris la première maison, il a pris une AR tu vois. Une AR avec des munes et un sac à dos et il est parti quoi. Tu vois il s'est dit moi ce que je vise c'est la ville du bas pour avoir une voiture. C'est légitime, moi je l'ai déjà fait plusieurs fois.
Palmito il va revenir, il va être dégoûté encore aussi du film. Voilà. Ah mais non. Palmi il est plus indulgent que moi. Non, je plaisante. Bah, Palmi il est comme moi, il est indulgent sur le principe. Ah, c'est un divertissement, faut pas l'oublier. Gwen c'est un... Non mais Gwen, comme il disait, et je le répète, Gwen il disait que le film, il l'avait trouvé bien, mais que il était pas content parce que c'était pas ce qu'il voulait, et qu'on lui a vendu comme étant un nouveau truc alors que c'était très 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 inspiré de l'épisode 4. Alors, dans le trailer, c'est Luke qui parle, donc un nouveau truc déjà, c'était râpé. Ouais, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il s'attendait à quelque chose. Non, mais même sur la conception de l'épisode, il s'attendait à quelque chose de différent en fait. Sur tout ça, ouais, il a pas dit que c'était un. Attention, il a pas dit que c'était un mauvais film. Il a dit qu'il était énervé contre la décision de ce qu'ils ont fait. Il a pas dit que c'était un mauvais film. Parce que hier, Red is Dead, par exemple, il a dit que c'était nul. Lui, il a carrément dit qu'il trouvait que c'était pas Star Wars. Il y a beaucoup de rappels à l'épisode 4, mais c'est pour aussi relancer le truc, quoi. Oui, non, mais voilà, c'est pour relancer la cash machine, mais comme ça, il disait... Ça commence un peu à dater. Non, mais Gwen, comme il disait, c'est juste que si on lui avait vendu comme c'est un remake, enfin, entre guillemets, ça va ressembler beaucoup au 4, etc. machin. Il l'aurait pris en allant voir, en se disant ça va ressembler beaucoup au 4, et il aurait pas été déçu, tu vois. Et voilà. Il s'attendait à autre chose. Maintenant, c'est un bon film. Mais il s'attendait à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? De la merde, de la merde, et de la merde. Et de la merde, bon, on sort. Ah, mais ça, Gwen, il faut peut-être le garder aussi pour le 2 et le 3, hein. Enfin, pour le 8 et le 9. Ziggy's en garde peut-être sous le pied. Je veux des nouveaux vaisseaux, moi. Ben non, mais le fait est que ce film-là, il a été construit en étant dans une trilogie dès le départ, tu vois. Et en se disant, c'est la trilogie. Mais en même temps, regarde, quand tu regardes l'épisode 4, l'Empire, on sait pas comment il est arrivé là, tu vois. Ça, on le sait que quand on a vu la prélogie après, comment c'est arrivé l'Empire. Mais à la base... On voit un vaisseau qui se fait arrimer par un autre vaisseau, qui se fait tirer dessus. L'autre, elle envoie les plans dans un petit droïde qui s'en va sur une planète perdue. Il y a Dark Vador, le mec qui vient, il tue tous les mecs qu'il trouve en les interrogeant s'il est pas content. Moi, tu vois, l'épisode 4, on était un peu droppé dedans aussi, hein, en disant, tiens, regarde. Mais bon. Voilà, c'est pas... Pas de drame, hein. Star Wars s'est bien relancé, espérons, et c'est vrai, hein, si le prochain ressemble trop de près ou de loin à l'épisode 5, là ça va poser problème, je pense. Celui-là, à la rigueur, c'était aussi pour relancer la machine. Le 5, c'est le mec qui a fait Looper, j'ai pas retenu son nom. Ouais. Je l'ai pas vu, pareil qu'il est bien, je l'ai pas vu. Looper, on va dire que c'est long, Looper. Ouais. Je vais prendre la voiture et la déplacer vers les habitations. On va faire les habitations et on se casse. La zone ne sera pas sur nous, donc... Ah, voiture ? Oui, c'est moi, c'est moi. La parc là, on fait les maisons. Ah tiens, fais les deux premières, je fais les deux suivantes. Non, ça c'est mort devant. Hein, je fais les deux suivantes et après on se casse. On se casse ou il se casse, comment. Oh, j'ai les pare-balles. Nice. Rien qui de soin. Nice. Noise, comment on dit. Il y a une AR avec des balles. Ouais, bah tu sais, au niveau mune, je suis à 420 balles, je pense que ça va. Oh bah tu sais quoi, je vais la prendre. Je pense que je peux arroser tranquillement. J'ai des munes. Oh là là, et un deuxième kit de soin, et un troisième kit de soin. Tout le monde a des kits de soin. Ouais, venir par ici, c'était une bonne idée. 1. Ah bah oui. C'est le Dorado là. Attention. Ah bah ouais, ok, d'accord. Voilà, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord que le fait de. Il est. Salut Roal.
Voilà, t'es no sound, mais t'as vu le salut. Voilà, c'est vrai que JJ Abrams, il abuse un peu du lens flare, c'est vrai, mais ça, ça a toujours été le cas et on le savait. Ah, mais ça, oui, ça, les gens le savent, tout le monde le sait, lui, il le sait même, et puis il fait. Moi, j'adore, j'adore la façon dont il a représenté les sabres laser. Voilà. Je trouve que justement cet effet blurry autour du sabre laser, je trouvais ça vraiment pas mal et vraiment moderne pour le coup. C'est marrant, au niveau sabre laser, il n'y a personne qui dit mais pourquoi est-ce que le sabre laser de Kylo Ren il est comme ça? Si, bah ça a largement fait jaser à l'époque où la bande-annonce était sortie. Moi je trouve que d'ailleurs c'était pas légitime de se plaindre et que la garde comme ça c'était même plutôt justifié. C'est-à-dire que c'est plus difficile de lui couper un bras. Parce que il a une garde. C'est juste, ça correspond juste à ce que les mecs ils avaient au temps des chevaliers quoi. Puis merde les mecs, eh, c'est des Jedi, hein. Ils ont intérêt à savoir se servir de leur sabre laser, hein. C'est tout. Hein. Il va se couper un bras. Bah s'il se coupe un bras tout seul, c'est qu'il est mauvais. Voilà. Tiens, il y a un medkit dans la cuisine, je sais pas combien t'en as. Là j'en ai 9. Oh ouais, d'accord, ok. J'en ai 6, donc je vais prendre le 7. Je pense. Ouais, je pense qu'on a de quoi se soigner, mais de toute façon on n'aura même pas le temps de les utiliser, mais... Non, regarde, il y a mourir, plus de 30 hein. Personnes, ils vont tous mourir tout seuls. C'est ça. Non, mais en fait, tu sais que c'est quoi le pire? Le pire, c'est qu'on se déplace en plus. C'est... On n'est pas caché, tu vois. On se déplace, on a dit bon, on va dans cette ville, on trouvera une voiture, on trouvera des munes. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Dans la zone, t'as Cranberry, barrage. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se déplace, tu vois. On n'est pas statique. Ouais, bah. On n'est pas statique, caché dans une caravane ou un truc comme ça, quoi. Tu vois, c'est. Wouhou! Stuntman, ouais, voilà, le truc que j'ai pas apprécié dans Star Wars 7, c'est quand même les vaisseaux, ils ont été un peu feignants. Ils en ont fait un. Deux, si on compte la gueule des croiseurs interstellaires qui ressemblent mais qui sont vraiment, mais qui sont qui différents. Ont vaguement changé. Ouais, bah qui ont évolué quoi. Bah, en même temps, tu sais quoi, quand tu regardes le croiseur interstellaire de l'Empire, il a presque pas évolué depuis l'épisode 3 en fait. Hein. Quand tu regardes l'épisode 3 et les épisodes oui, mais, 4, mais 5, 6. C'est des grosses machines. Et... Oui, non, mais voilà. Non, mais alors après. En 30 ans, ils ont pas fait un seul nouveau chasseur pour. Mais non, parce que tu sais quoi, c'est comme nous aujourd'hui, les mecs sont nostalgiques de l'Empire. Ils sont nostalgiques, ils veulent faire comme l'Empire. Tout. Et les rebelles, ça se trouve, c'est parce qu'ils ont pas de pognon. Je sais. Ah, attends. C'est le drop, ça. Ouais, je l'ai vu. Ah merde, ouais, t'es descendu! Ah, il tombe juste à côté de Bouzin. Ah, et ça tire. Ouais. Au nord-est, ça tire. Ou à l'est, tu. Attends, ça tire en contrebas là en fait. Ouais, c'est pas en contrebas. Tire au barrage, je crois. Ah, mais attends, ouais, c'est le barrage en bas, c'est pour ça que ça se calme. Il est où? Le drop, il est où là? Il est est. Et sud-est même. Mais Bino. Là, on va voir. Faire dessus. Un brouillard, bordel de ouais, merde. Ouais, du brouillard partout, quoi. Bon, il est où le drop, alors? Il descend en bas, là? Bah, là, il arrive. Il est en contrebas? Ah ouais, il est en contrebas, putain. Il va tomber en bas de la... En bas de la montagne. La descente de la pente, ça va quand même être un grand moment, je pense. Il y a des chances pour qu'on se vautre. Tu sais quoi, on va équiper les fumigènes. Hop. On y va? Dieu. Pour la bagnole, moi j'y vais à pied. Ça a touché le sol. Comment je suis descendu sereinement, bordel. Il y avait rien de très intéressant. Enfin, il y avait des munes et des medkits. Ouais, c'est tout.
Il y avait pas de fusil de sniper. Et j'ai les rennes, j'ai le chapeau de renne. J'ai à avoir un skin de Noël. Mais c'est pour éviter le bomb drop, tu me comprends. Hein. Ça fallait partir vite. On n'y pense jamais, mais les fumigènes sur le point, c'est pas mal pour prendre en fait. Ah oui, non, mais c'est vrai. Hein. Bon, on va remonter. Hein. Bah ouais. On va équiper les stun grenades. Stuntman ISO, je rends hommage à Urwol. Alors j'ai 3 stun grenades, une grenade frag, 4 molotov. Ça va, je pense que t'es bien niveau grenade. On va arroser, c'est bon. Bonjour, je suis Chuck Norris. Tu sais, c'est... Ah, y'en a un qui est mort en se brûlant tout seul. Voilà. J'aimerais bien les repérer, savoir où ils sont, quoi. Sinon, franchement, dans ce Star Wars, il y a des grosses scènes, quand même. Ah, mais pour moi, la scène sur la planète où ils sont... où, justement, t'as Poe qui fait son show en X-Wing. Ah oui, oui. Non, mais à la sortie de cette scène-là, j'ai fait... Non, mais rien que pour cette scène-là, il faut revoir le film. Il y a un mec tout en haut de la montagne au camp Manouche. Au camp du... Comment ça s'appelle du clochard. Parce que c'est pas Manouche, c'est un clochard là-haut. Et donc, ouais, non, enfin, la scène, en fait, tu dis rien que pour revoir cette scène-là, parce que comme tu regardes un truc, bah tu vois pas ce qui se passe sur l'autre plan, en fait, en même temps. Rien que pour celle-là, j'ai envie de le revoir. Il y a un mec sur YouTube, là, Angry Joe, je sais pas si tu connais. Allez, on va le chercher, le gars. Il a été voir le film ou pas, 3-4 fois, même juste pas. Pour pouvoir compter combien il descendait de mec. Bah, sur cette scène là il en descend combien sans compter les Stormtroopers, hein, on parle bien que des X-Wing, que des TIE. Les TIE Fighters, ouais, je te dirais 8 ou 9, parce qu'en plus c'est lui qui commence en fait sur la... Ah, bien avant cette scène là, il y en a un avant. Non mais c'est un pilote de ouf, hein, le mec, hein. Tu te dis, ouais, mais non, mais toi, en fait, t'es un Jedi, c'est pas possible. Tu pilotes comme Anakin Skywalker, ouais, c'est pas possible. Oh, ils sont trop nombreux. Ah oui, merde. J'avais le pompe dans les mains, j'avais pas l'air. Putain. Mort comme une grosse merde, moi. On va tenter un truc. Ils t'ont pas vu, c'est ça? Molotov. Ils m'ont pas vu. Fumigène, stun grenade, molotov. Tu mets tout ce que t'as. Et monter avec celle-là, c'était quand même pas pratique. J'aurais dû me raviser, en fait. Moi, jamais. J'en ai cramé un. Nice. Tu l'as tué? Non, je suis mort. Mais il est mort, le mec, ou pas? Non, je crois pas. Pas grave, c'est au moins qu'il y ait un peu d'action quand même, parce que sinon on se faisait chier, quoi. Erreur G19. Ta partie, on redémarre le jeu. T'as eu la même que moi tout à l'heure. Après ma partie de BR, ça a planté. Ce jeu est une alpha. On ne te dira jamais assez. Ils ont instancé leur launcher. Yep. Et bonjour à ceux qui ne s'expriment pas, bien sûr. Il y a quand même du monde qui regarde. Bonjour à vous. Les viewers du matin, c'est un peu... C'est l'émission... C'est télématin. Télématin. Je suis bien plus jeune que William L'Energy. Je vous en prie. Faut que je fasse le calcul de combien ça va me coûter d'ouvrir toutes mes caisses. Non, mais
voir si c'est bon machin. Eh, remarque si j'ai des... Comment dire Ah non, quand on fait du H1Z1, on arrive quand même à avoir du, on a, à avoir du monde aussi, mais là c'est vrai qu'il y a du monde ce matin. Enfin, plus de monde qu'hier en tout cas. Sur du Star Wars hier. Il y avait des gens sur Star Wars hein, qui m'ont regardé jouer à Star Wars hier, mais. Donc, ouais, non, si j'ai des trucs intéressants, je pourrais peut-être les faire passer en giveaway après. Et tu fais des giveaways de skins de. J'ai 24 caisses. De H1Z1. Putain, t'as 24 caisses. Donc oui, voilà, Twitch Alert ne fonctionne pas, merci pour les follow que j'ai reçus, donc je sais pas s'il est toujours là, Kali2001 qui a follow, il y a 10 minutes, et Live Laser Gaming qui est peut-être déjà reparti, je sais pas s'il est toujours là, qui avait follow aussi. Je vais ouvrir, je vais laisser ma boîte mail ouverte pour avoir les infos sur les follow parce que Twitch Alert a l'air de pas vouloir fonctionner ce matin. Je vais tester, mais. Pas quoi. Ah, qu'est-ce qu'ils vendent 1,30€ Combien les clés sur ce truc? Bah, c'est à peu près le même prix que sur CS, je crois. Je refais le coup de recréer le truc, on va voir si l'alerte fonctionne. Mais j'ai pas trop d'espoir. Hein. Non, toujours non. C'est pas grave. C'est ma boîte mail ouverte, comme ça va faire des petits cring quand je reçois un mail. Vu que j'en reçois pas 30 par jour. Sur cette boîte là, quand je reçois des mails, c'est soit que ça parle sur le forum. De Star Citizen que de mon organisation, soit que j'ai des trucs sur Twitch ou Twitter. C'est le seul truc. Tu peux avoir des clés aussi Tu peux, si t'as de la chance. Ah ça y est, les gens disent de la merde. Ouais, là y'a du monde, ça y est, c'est 10h30, ça y est, les mecs se sont levés quoi. J'ai 41 caisses à ouvrir. T'en fais des clés. Hein. 41 clés, 1€ la clé. Elles sont à 1€ les clés? J'ai pas acheté, j'ai pris que. Bah attends, je regarde juste par exemple pour voir la Vigilante Crate. La clé elle est à. Ah putain, en plus c'est des Daybreak Credits, putain. 250 c'est quoi, attends. Je vais voir. La valeur du truc, c'est quoi? Ouais, faudra que j'aille voir ça, faudra que. Mais c'est pas. Ouais, c'est pas donné, hein, ça va être comme CS. Hein. Dame. Parachutage! Sauf que sur CS, comme je l'ai fait au fur et à mesure, plisante, on est du côté des hangars. Je descends vers les immeubles qui sont derrière le commissariat, là. Vend des armes, là-bas. Y'a un mec qui descend sur le même. Derrière moi? Non, il va sur le commis. Ah, il va sur le commissariat. Bah écoute, qu'il aille au...
l'ai entendu tomber sur le comico, je crois. Ouais, je suis dans le même bâtiment que toi. Ouais, je t'ai vu. Je vais voir l'étage. Il a pris la voiture de flic. Il part avec. Ouais, il a arraché la bagnole. Ah, il y en a un qui s'est arrêté devant notre truc là. Ouais, mais j'ai pas d'arme. Moi non plus. Je cherche très rapidement. Non, mais j'ai pas d'arme. Vraiment pas quoi. Non, c'est la merde. Putain, mais j'ai ouvert tous les chiottes, y'a pas d'arme. C'est incroyable. T'as trouvé une arme ou pas? Non. Alors on est dans la merde. Dernier étage. Et des armes, dernier étage. Bah vas-y prends-les, moi je suis sorti du bâtiment. Dans une dans une baraque pourrie à côté. J'ai un M9 et un pompe. Backpack aussi. J'ai un military aussi. Tiens, bim. Il y a une crossbow là où je suis. Il y a des casques partout, mais à part ça. Un message de. Un message de. Mon... Je suis au bâtiment qui est. Attends. Je suis au. Nord-est de ton bâtiment. Dans un bâtiment en ruine qui donne sur la grande place. Attends, je ressors là. Je suis devant, voilà, tiens. À côté de toi, gauche. Ouais, j'ai vu. Y est-vous. Un gilet pare-balles, parfait. Voiture qui passe dans la rue, qui s'en va. C'est toi là le chargement de pompe? Ouais, c'est moi. T'as un million et demi, un military? Ouais. Oui, j'ai un military. Tout ça. T'as fait le tour de l'étage? Non, t'as pas fait le tour de l'étage en plus. Ok, je suis à l'étage, je suis au premier étage. Pas mal de kits de soins. J'arrive. Elle est où l'air? L'air était dans l'escalier. Non mais t'en avais pas vu une à cet étage là aussi? Si, je l'ai prise. Ok, d'accord. Non, parfait, parfait, quart de là. On va mettre comme skin, ça tiens. Parce que c'est vrai que j'ai pas mis de skin parce que je comptais mes balles. On peut pas mettre le skin Rudolph sur une casquette. Sur une casquette, il me faut un casque. Wouah, vas-y, je suis obligé de mettre ce truc là. C'est tellement immonde. Voilà. J'ai la chemise de Tom Selleck. Ou de Parker Lewis. Au choix. Elle est tellement immonde. J'adore. Ça va devenir mon nouveau skin. Alors la safe zone, elle est où? Elle est sur nous, parfait. Il n'y a plus qu'à mettre à sac la ville. Bâtiment d'en face. Molo, molo. Tu es au dernier étage direct? Tu es le premier? Là, je vais le dernier. Oh oui! Il y a eu des morts ici. Oh oui! Les mecs, ils ont pas fait les chiottes, quoi.
AK-47 dans les chiottes. Tout va bien. Pour l'instant, je garde les trois armes parce que j'ai pas beaucoup de mun. Ouais, il y a le mini short qui va avec ce truc là. J'ai pas fait le dernier étage non plus. Hein. Il y a le mini short qui va avec ce truc là, donc bah écoute, on verra. Le mini short. Si je drop le mini short, il y a un fusil à pompe au premier. Je te le laisse puisque tu aimes bien les munes de fusil à pompe. Je vais chercher. Ah, des munes d'AR, voilà. Tiens, bah je vais te laisser les munes de fusil à pompe que j'avais aussi puisque ça va me servir d'un fusil à pompe si j'ai une AK et une AR. Tu as besoin d'un... Comment ça s'appelle? J'ai besoin que d'un... T'as besoin de medkit ou pas? Non, c'est bon, medkit. J'ai 5 medkits sur moi. Vingtaine de bandages. Je viens de trouver une autre AK quoi. Ça a tombé où ça? Ouais mais ça se trouve c'est même déjà tombé hors de la ville. Oh ça, ah ouais, ça a tombé au... Eh tu sais quoi? Dans la zone c'est le camp militaire. Hein. En plein centre de la zone c'est le camp militaire. Ah bah voilà, tant mieux. Il est tombé là le truc? Il a pas vu, ouais, non. Il est tombé ouest-sud-ouest. T'es déjà à l'étage? Non, non, je suis pas dans la maison en fait, je suis à l'intérieur. D'accord. Je viens de rentrer. Au premier. Oh, une AK. Nice. Tu la prends, hein? Ouais, je la prends. Par contre, faut que je dégage des trucs. Ça dégage. Je vais garder mon air quand même. Les bâtiments là sont bien en général, t'as plein de trucs dedans. Le skin de Noël, ça va sur les casques bleus en fait. Si je trouve un casque, je vais tester. Histoire d'avoir l'air bien ridicule. Ah, y en a un là. Oh là là, comment c'est trop bon ce skin. Dans le bâtiment d'à côté. C'est génial. Par contre t'es pas du tout visible quoi. Avec ça sur la tête. Pas du tout. Bâtiment d'à côté lequel? Celui qui est au nord. Il y a une deuxième AK. Celui qui a une entrée avec l'escalier là? Ouais. Il y a une AK dedans. Bah tu la prends non? J'en ai une, on fait mouette sur les balles. Si tu veux. En train de voir un autre bâtiment vite fait là, mais à mon avis celui-là est pas grand chose. L'air tu dégages. Tu jettes ton air? Ça a tiré. Je vais récupérer les munes. Récupérer les munes. J'arrive. Salut Bloody Twist, bienvenue par ici. Il y a un fusil à pompe en bas, t'as pas pris toutes les munes.
Dans l'autre pièce, il y a un fusil à pompe, t'as pas pris toutes les vues. T'as drop. D'accord. T'as droppé les balles et tout derrière. Non, t'as pris toutes les balles de d'AK par contre. Pas grave. Attends, je vais t'en laisser. Non, c'est pas grave. Elles sont où? Elles sont ici. Merde. C'était le stack de 2 qui restait, ça. C'est look festif, mon dieu. Mais non. Entre un qui a le look Halloween et moi qui ai le look Noël, quoi. Merci. Il y a des étages aussi dans ce bâtiment. Il y a une aire encore à l'étage. C'est bien d'avoir des munes parce qu'on se dit au moins on peut gâcher. On peut arroser. Avant d'arroser, j'ai trouvé un molotov. Tout va bien. Pour mettre de l'huile sur le feu, comme on dit. Un. Et deux. Mettre du feu sur l'huile. Ah, y'a encore un étage! Ah non, c'est le toit, ça, c'est vrai. Ah, mais des fois sur le toit y'a des trucs. Y'a. Ouais, y'a du magnum. Ta-na-na-na. Bon. Ma foi. Laisse met son petit temps à arriver quand même. Ah ouais, les. Je suis pas discret avec les bois. Hein. Oh la vache. C'est le mec qui est accroupi pour se cacher et qui a les bois qui dépassent. Si je fais le brame du cerf, tu crois qu'il me tire pas dessus? Regarde là-bas! Sur le toit, y'a un cerf! C'est ça. What's that shit, tu sais? Qu'est-ce que c'est ça, là, sur le toit de l'immeuble? Je sais pas. Papa, j'ai peur! Tu sais, c'est... Sortir, je fais les immeubles qui sont devant la sortie. Je viens de trouver un peu plus de Mundaka. Ah, celui dans lequel je suis, il y a des munes de pompe. Entre comment là-dedans? À part là. J'ai jamais rentré dans ces bâtiments. Ouais, il y a masse de munes de pompe. T'es dans un bâtiment vide, c'est ça? Ah, mais c'est tout vide. Y'a rien. Ne t'embête pas, y'a rien. Oh, un tir. Je suis rentré dans les bâtiments qui étaient un peu à côté là. C'est ceux qui ont une entrée qui donne la porte de derrière, c'est de l'autre côté, mais Ah, une grosse explosion. De quoi? Non, t'es pas dans le même immeuble que moi, parce que moi j'ai pas entendu d'explosion. Attends, t'es où? Y'a des mecs qui sont lancés des... Quand je suis ressorti là où on était. T'es où? Moi je suis devant l'immeuble. Ah d'accord, je suis derrière toi. Ouais. L'immeuble qui est là, bah, qui est juste à côté de toi, juste derrière toi. Oh putain, derrière moi! Oh putain, il était... Fais chier, quoi. Oh, trop vouloir se repérer. Il était derrière le bâtiment où on était. Et son pote, hein. Vouloir se repérer, fait n'importe quoi. Arrête de se balader comme des touristes aussi. Balader un peu comme des touristes. Avec le même casque que toi. Ouais. On était un peu comme deux touristes là quand même. Ah oui, non mais c'est ça. Hein. On a plein de munitions mais on en a pas tiré, tu vois. Voilà. En même temps, quand tu te fais prendre par derrière. Je veux dire, quand tu te fais avoir par derrière, tu peux. Voilà, plus difficilement. J'ai même pas eu l'occasion de tirer dessus, quoi. Ah, mais y'a personne ici.
On va y aller full à poil. Non mais ce t-shirt il est tellement priceless quoi. Cette chemise est magnifique. Bon, j'essayais de voir le prix des trucs là. $250 machin de pourri là, c'est quoi? C'est combien? À peu près. D'accord, c'est 2,50€ en gros par caisse. Ça fait beaucoup d'argent quand même. Gentil, mais je pense que je les ouvrirai pas toutes d'un coup. Hein. Au moins l'avantage c'est que les clés coûtent toutes le même prix. Même pour les dernières caisses quoi. Ouais ça c'est c'est un peu plus de 85€ quoi. Pour tout ouvrir. C'est un peu mal au cul. Ouais. Après tu peux te retrouver, t'as des skins qui se vendent cher mais ça lui fait rien. C'est plutôt un fer sauvage qui apparaît là. Moi j'ai déjà paru depuis un petit moment. On peut les échanger oui les items à changer. Non. Justement, la chemise à carreaux rouges, c'était Baka qui me l'avait filé. Ça va, tu te lèves toujours plus tôt que Baka quand même. Le Baka qui émerge à 15h. Il a le mini short. Je peux pas mettre le mini short si j'ai pas un perso féminin quoi. C'est beaucoup trop gay. Non mais j'ouvrirai quelques caisses, peut-être les ouvrir au fur et à mesure, tu vois. J'en drop pas tous les jours non plus quoi. Genre tu peux te dire si tu veux vraiment les ouvrir, tu te mets peut-être une quinzaine d'euros par mois, tu vois, pour ouvrir des caisses et puis. C'est quoi ça déjà? Ce serait pas Paquito ça. Non, c'est pas Paquito ça. Ah, c'est derrière Cranberry. Alors, oh, hein. Les immeubles. Les oui, immeubles. C'est derrière Cranberry. Moi, je suis derrière Cranberry là. Je suis parti dans les villes, tu sais, à l'est de Cranberry. Je suis à la limite de la map quasiment quoi. Bah, je tombe bien, je suis au nord. Donc, comme ça, on va être bien séparés. Ah, oui. Moi, je suis dans le patelin à l'est de Cranberry quoi. Il y a un pauvre patelin perdu. Il y a un mec atterri dans l'immeuble juste à côté. Tu vois, t'es à l'est de Cranberry, dans Cranberry. Non, je suis au nord. De Cranberry, dans Cranberry. Okay. Moi, je suis pas Cranberry, dans Cranberry, moi. Salut, Moti. Motize VMT. Voilà. Je le prononcer le mieux possible. Et je vais me barrer de là, tu vas voir, parce que. Ça va tirailler, à mon avis, là-dedans. Là où je suis, soit je vais me trouver une année avec un mec. Ça va être la canardage. Soit je vais pouvoir tout faire, trouver une voiture et me casser, tu vois. Ça va être... Je vais trouver une AR. Un jour, peut-être que j'irai rejouer au Battle Royale d'Arma 3. Un jour. Un jour, peut-être. Ah, il est pas si mal que ça, le Battle Royale d'Arma 3, mais... Non, il est même très bien.
fait bien flipper. Il est vachement plus technique pour le coup. La nuit quand t'es casé dans un bâtiment. Oh mais la nuit de nuit c'est infâme. Tu trouves pas des lunettes de vision de nuit, t'es mort. Hein. T'as dit à l'est hein? Ouais je suis à l'est ouais. En fait je suis tu vois Lone Pine? Lone Pine Développement, c'est là où je suis. Dans un patelin. Plein de maisons et tout. J'ai trouvé un quad. Pratique. Je suis en i7. Aussi. C'est bon, je suis arrivé à Lone Pines. J'ai pas entendu pour le coup. Garé là, hop. Mais je crois que, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres personnes en fait. Je trouve un sac, j'ai pas assez pour de place pour prendre un, pour prendre le truc de, du quad. T'as pas trouvé de sac? Non. Merde. J'ai fait mon immeuble et puis je me suis barré. Je viens dans Shred, c'est con. Bah attends, j'ai un military backpack avec moi. Et à l'extrémité sud de la montagne. Ah bah c'est bon, j'ai un sac orange. C'est sûr, hein, parce que moi j'ai un military hein, en rab. Ouais, non, file le military. Je vois pas. T'es aux maisons en construction là? Derrière. Maison rouge? Ah ouais, c'est bon, je te vois. Maison rouge. J'arrive à ta maison, je te dépose le sac devant. Comme le Père Noël? Non. Il amène les cadeaux. Je peux déposer devant l'entrée. Salut Nino Cariou sur YouTube. Bienvenue à toi. Ah, faudrait tellement s'entraîner au lancer de grenades quoi. C'est clair. Tu trouves une partie où vraiment t'es tranquille, tu trouves des bagnoles, un bon stock de grenades et tu t'entraînes. Ah. Correctement une grenade. Bah en même temps, si tu veux t'entraîner à lancer des grenades, bah t'essayes, et si ça rate, bah tant pis. C'est comme ça que t'apprends, hein. Sur CSGO, c'est comme ça qu'on apprenait. En dehors des AIM maps, des AIM maps de grenades. Celle-là, je m'en souviens, je les ai... La physique de CSGO et de H1Z1. À l'époque où je faisais des compétitions sur CSGO, mon dieu... Alors, là, j'ai trouvé un truc super cool dans ma maison. Il y a un endroit où il y a deux portes empilées les unes sur les autres. Mais ouais, le nombre d'entraînements d'heures à lancer des grenades pour bien les lancer correctement, quoi. C'est un autre temps. Ouh. Et ben on joue à H1Z1 en Battle Royale, Nino Cariou. Mode Battle Royale, comme dans le principe du bouquin Battle Royale. Hein. On est lâché sur une map, on n'a pas d'armes, on n'a rien. À l'aventure compagnon, on doit fouiller, trouver des armes et s'entretuer. Voilà. Et cette partie-là, c'est en groupe de deux. Parce qu'il y a le mode tout seul et le mode à 5 aussi. Contrairement à Battle Royale, on est mieux équipé qu'avec des cuillères, donc ça c'est cool. Oh putain, t'imagines si tu devais tuer un mec avec une cuillère? De rien, Nino, de rien. Alors, hop.
casser ça. Ah, gilet pare-balles. Ball quad. C'est moi ouais, qui passe. Mais sinon Nino, nous principalement on essaye de faire quelque chose mais souvent on meurt. Dans d'atroces souffrances. Il nous arrive des bricoles on va dire. On est nul. Yeah. Des fois on s'énerve un peu, on arrive à gagner. Des fois on arrive à gagner en tuant personne aussi, c'est déjà arrivé. Des fois on meurt tous d'un coup. Ça, c'est des fois on meurt tous d'un coup. Des fois il y a des bombes qui tombent sur les voitures et il y en a que un qui meurt. Ouais, aussi ouais. C'est super rare, mais quand ça arrive, c'est drôle. Quand ça arrive, c'est soit moi, soit Yamato. Donc, C'est ça. Chercheuse est bon, moi, je te dis. C'est... Alors, si t'as besoin de medkit, je pense que j'en ai beaucoup. J'en ai un. J'en ai quatre. Je vais pouvoir t'en donner. Un pompe, voilà, c'est ce qu'il me fallait. Ça c'est bien. Merci. Merci. Il me dit que mon casque est stylé. Avec les rênes du Père Noël. Il est rêne. je suis très fier de ce casque. Je suis très fier. Pas du tout visible, mais... Il y a des fusils à pompe en série, hein, là, dans les maisons. Pas ce temps-là déjà un, mais... Dans lesquels ? J'en ai chopé un, mais... Maison verte, là, dans laquelle je sortais dans une maison rouge. Ah, t'es de l'autre côté, ok, je vois. Une maison rouge. Je joue. Je vais dans la bleue. Et la zone, elle est... Pas du tout là où on est. Pas ici, ouais. Mais on a un quad. Dans le pire des cas... Ouais, ça va, ça c'est pas, on n'est pas à pied. Je vais voir s'il n'y a pas une voiture, je vais regarder. Il y a une voiture, on sera un peu plus safe quand même, mais... On prend le quad et puis basta, hein. Ne faisons pas une Yamato. Pardon. Voiture. pleine. Je vais voir. Elle est où la voiture parce que moi je... Venir te chercher la tiens, bah tu vois, hop, elle est là. Des lives sur Minecraft, alors ça m'est pas arrivé depuis un petit moment. J'en ai fait un moment. Et ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Y'a tes rennes qui dépassent de la bagnole. Ouais, je sais. Y'avait cornes qui dépassent, c'est n'importe quoi. Ça m'est pas arrivé depuis un petit moment de liver sur Minecraft parce qu'en fait quand je livais sur Minecraft il y avait tellement personne qui regardait que ça m'a démotivé. Tiens attends. Piquer de l'essence. Et on a 2 bidons d'essence. C'est ça. Il y a un mec qui est mort. Ouais, il y a eu meurtre ici. Ouais. C'est la purée de poids encore, c'est bien. Un stream de Minecraft qui pixelise, ouais, j'avoue que ce serait dur. Hein. Cubeception. T'es con. Ça
fait confiance hein, pour la map, ouais, je suis en train juste de rouler. Alors sur ma chaîne, pas de, sur ma chaîne il y a juste les replays de mes lives. Voilà. Je fais pas de VOD, parce que j'ai pas le temps. Le peu que je joue en fait je le fais en live en stream, donc voilà. Donc c'est surtout les replays de tous mes lives qui sont sur YouTube à chaque fois. Après des fois le son est squeezé, mais ça c'est de la faute à. C'est de la faute aux ayants droit qui réclament alors que techniquement ma chaîne n'est pas monétisée. Donc. Je stream, alors là je stream la journée parce que je suis en vacances. En général je stream le soir, et plus particulièrement en deuxième partie de soirée, dans aux alentours de 22h jusqu'à minuit, minuit et demi. Quasiment tous les soirs hein, en plus, pas un truc régulier. Sauf quand j'ai ma vie sociale qui m'appelle quoi, on va dire. Ça arrive des fois aussi. Comme ce soir par exemple, ce soir vie sociale. Je sais pas si ce Glink c'est un follow. Si c'est un follow, merci. Non, parce que le problème c'est que Twitch Alert marche pas. Donc s'il y a un follow, je m'en rendrai compte quand je regardais ma boîte mail. Je l'ai activé pour avoir le petit ping. Donc j'irai voir dès que je suis mort, comme on dit. On est dans la zone là, faut aller vers le nord non? Ouais. Dès qu'on arrive à Pleasant en fait, faut aller au nord. Profitez là qu'on n'est pas encore dans la ville pour faire le plein. Salut Doc. Ça sent pas le sapin, ça sent la pinède. Arrose-la, 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 il est tout seul. Oh j'ai touché. T'as tiré là? Ouais. Putain j'entendais pas les tirs. Mon dieu, je me disais mais qu'est-ce qu'il fout? Les gens pourront confirmer que je n'ai pas entendu les tirs. Bon, c'est pas grave, au moins t'as tiré dessus. Mais apparemment oui Motai, oui apparemment il a tiré. Mais nous on n'a rien entendu. C'est. Et bah merci pour le follow Mvani. Merci beaucoup. Ah oui normalement Crier pampan ça compte pas. Merci beaucoup pour le follow Mvani, bienvenue parmi nous. Je suis content que ça te plaise et que ça t'ait donné envie de follow. D'ailleurs, je tiens à rappeler que je ne fais pas que du H1Z1, je fais beaucoup de jeux différents. J'alterne beaucoup. Et j'ai profité des soldes de Steam. Limite aller au Ikea. J'ai pris Castle Crasher. Pour aller loler sur Castle Crasher. On prévoit un stream en équipe sur Battlefield 4 aussi. L'équipe des bras cassés font la guerre. C'est n'importe quoi. D'assist de fail. On va descendre de la voiture. Retourner la voiture. Presque. Ah non, presque. Pas. 44%. Voilà. C'est 37%, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, on va bien. Donc oui, effectivement, Nino, ça nous arrive de croiser des joueurs, mais là, la map est assez grande et il n'y a plus que 33 joueurs et bon... Non, j'ai pas envie, tu vois, la voiture était à 100%, elle se retrouve à 37%. Bizarrement, j'ai pas envie. Ouais, c'est... Là, on est vraiment dans la merde, pour le coup. Au moins, on n'est pas à pied. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y avait pas eu de voiture blessée pendant ce tournage. J'ai rendu hommage à Stuntman Your Wall. Oh, c'est pas le pire crash que j'ai pu faire, Nino. C'est pas le pire crash que j'ai pu faire.
Bah d'ailleurs, faudra que je pense partager sur Twitter ce magnifique combat hier où Palmy a Karim et un truc de malade sur Broulala. Où il nous a fait une... Il a régalé quoi hier. Ah attends, il y a peut-être le truc des maisons enfermées, il y a peut-être une voiture là-bas. Oh. La physique de ce jeu. Là, là, regarde. Des fois, il y a une voiture ici. Putain, il n'y est pas normal. Il y a du démec qui est tombé ici, je pense. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ouais, parce que là, on y est pour l'instant, mais... Ouh, ça a été visité ici. Il y a des flingues sur munitions. Ouais, donc, bien. Ramène-toi. Excusez-moi, je suis un petit peu... Bagnole qui fait essayer de fumer, quoi. Refais le plein, pour le coup. Oh, il y a une voiture, regarde. Ouais, vu. Ok. Ah regarde, y'a un caillou. Legit, y'avait un caillou. Prenons-le en chasse. La horde sauvage. Vas-y, tire. T'es en train de tirer là? Ah, quand même. T'en as eu un? Non? Ah non. Il est touché mais pas mort. Je l'ai pas écrasé. C'est pas normal, descends. Ah putain. La grenade. Ouais, je suis en train de first aid parce que je suis en train de ramper là. Il y a plusieurs groupes, hein. Ah putain, il me tire dessus. Hein. Comment il peut me tirer dessus encore? Mais comment il peut me tuer? Je suis caché derrière les trucs. Putain, on s'est entretué. Je suis caché au ras du sol. Putain. N'importe quoi. Je suis caché au ras du sol. Le mec, je le voyais même pas. Et lui, il me touche. On prend pas, non, je comprends pas. Je suis en train de ramper, le mec il arrive à me tirer dessus quoi. Ça c'est bien le seul truc que je préfère au Battle Royale d'Arma 3 en fait. Dans le Battle Royale d'Arma 3, quand le mec il rampe, faut vraiment y aller pour le voir. Hein. Avec les herbes et tout, c'est tendu. Ah pour le coup ouais. Ah si on avait une voiture un peu plus... Voilà, s'il n'y avait pas eu le crash de merde avant. On aurait eu une voiture un peu plus résistante et on aurait pu tenir un peu plus longtemps. On n'aurait pas été obligé de sauter dans la voiture en plein milieu de la pampa. Mais voilà, le bug encore, le mec je lui roule dessus, il meurt pas quoi. Mais je suis vraiment passé sur lui quoi. Ça faut vraiment qu'il le fixe pour le coup. Tu sais quoi, à la fin du stream, j'ouvrirai quelques caisses.
sortir la carte bleue. Non mais je vais pas ouvrir toutes les caisses, je vais en ouvrir quelques-unes, comme ça... Allez bim, 80 euros. Non, ça peut pas me permettre de sortir 80 euros là maintenant. 80 je peux pas, 20 euros je peux. Bon ça va, j'ai fait des soldes de Steam, mais j'ai acheté des jeux qui sont à 4 euros, tu vois, ou 2 euros. Castle Crasher, tous ces trucs là quoi. Ça sort les vieux mimes du German Kid quoi. C'est... Allez, c'est parti. Disons, toi. Moi, je vais, tu vas à l'église direct. Direct. Fou quoi. Dès qu'il t'a vu. Je vais aux immeubles qu'on avait fait tout à l'heure et j'essaye de me déplacer vers l'église dès que j'ai des armes. On va aller aux immeubles. Parce ça, que on est loin. Il y a déjà plein de mecs qui tombent sur les. Bah ouais, c'est ça le truc. Ah non, en fait, il y a plein de monde sur les immeubles. Aïe. Un peu la merde. Ah bah. Ah bah ouais. Non. Oh non. Quoi? Ah. Oh. J'atterris sur le toit de l'immeuble. Ah et puis ceux-là tu peux pas. Ah ouais. Ceux-là faut que je descende sans trop péter la gueule. On en va rap. Ah putain 30%. Oh déjà 30% de quoi. De ah d'accord. Le mec est déjà à 30%, c'est mort quoi. Ouais, y'a pas d'arme en bas, hein, j'ai l'impression. Tout à l'heure. J'ai juste un sac. Au dernier étage. Ouais, va au dernier étage direct. Y'a une arme au premier, un M9. On va trouver un 9mm. Ouais, pareil. J'ai un M9 et un Magnum. Je vais prendre l'arbalète, tiens. En attendant, ça peut faire le taf. Je vais jouer Guillaume Tell. En attendant d'avoir une vraie arme, quoi. C'est silencieux, ah, c'est ça. Eux, ils ont des vraies armes, tu vois. Ah, y a pas eu de calache encore. Ouais, mais c'est une AR quand même, tu vois. Effectivement, cet immeuble, à chaque fois, y'a rien dedans, quoi. Ouais. Pas grand chose en effet. Bon. Sors. Ouais. On va direct vers les immeubles où on a trouvé des armes. Hein, écoute. Tu fais celui de gauche là. Ouais, vas-y. Fais l'autre. De toute façon, là on est dans une situation où on accepte toutes les armes qu'on trouve. Hein. Oui, clairement, là. C'est la merde. Il faudrait limite un petit pompe. Limite, il te faudrait un pompe. Ah, genre, moi j'en ai un. Au pire, on repartagera les munes et les. Déjà être armé. Ouais, faut tout ramasser. J'ai l'impression que c'est le pompe qui a un petit problème de sound en fait. Parce que même quand je reload mon pompe, j'entends pas les. Tu sais, j'entends pas le bruit des cartouches qu'ils mettent dedans. Ouais, c'est bizarre. D'ailleurs. Faudra vérifier ton jeu. Ouais, bah plus tard. Pour l'instant, il marche. On peut jouer donc. Ce jeu est une alpha. Exactement. C'est un petit moment que je l'avais pas dit. Ah, tout comme Star Citizen, et on voit comment je galère à chaque fois à y jouer. Bon, allez, moi, de soin, pas une AK-47, arme, mais mec, 30 balles, mais AK-47. Écoute, tu tires sur les gens et je te soigne. Ah. Moi j'ai des kits aussi, hein. Je me trouvais pas mal. J'ai pas fait les toilettes.
Bah oui, fais les toilettes, parce que dans les toilettes, souvent, c'est là qu'il y a des medkits. Dans le mur, souvent. Une deuxième arbalète, surtout. Putain, l'immeuble où je suis là, dernier étage, deux arbalètes quoi. Pas une avec des flèches explosives pour moi, le coup. Je vais faire les bâtiments qui sont juste à côté. Parce que s'il y en a avec des flèches explosives, ça peut être rigolo. Arbalète flèches explosives. Ah bah les flèches explosives elles sont terriblement efficaces hein, dans ce jeu. J'ai une grenade et j'ai une arbalète, je peux pas faire une flèche explosive. Ah j'avoue. Tellement rare les grenades, franchement on devrait faire ça. Hein. Ah ouais mais on peut pas quoi, c'est ça qui est dommage. Bon je ressors de l'immeuble. Je fais le tour. Genre je vais à côté, mais... je vais à l'immeuble avec les escaliers à l'entrée là, c'est ça qu'on a fait tout à l'heure. Ouais, il est où? Il est un peu plus loin au nord. Nord. Dans le nord. T'es dedans là? Ouais, ouais, je suis dedans. Je t'ai vu passer devant. Là. Ok. Étage. Le dernier étage même, tiens. Ah bah non, c'est le toit. Bah si, je vais sur le toit, voilà. Ah. Manabar, manabar. Il rentre en trombe. C'est clair. Alors attends, si t'as une AR pour moi, je vais te filer mes mules de pompe. T'en as un ou pas? T'en as pas, non, hein? J'en ai pas. Tiens, je vais te filer le pompe avec les mules. Bon, j'ai 9 mm. Oh, voiture qui passe. Pas arrêté. Ok, ouais, ils sont juste passés. Oh, bah ouais, il y a plein de pompes. Hein. Tant mieux. Et une AR aussi. Bon. Ouais, on est dans la zone en plus, donc ça va passer pas mal, je pense. Hein. Sur le toit. Il va y avoir du passage. Surveille sur le toit. Vas-y, j'en sors, je vais faire l'immeuble. Voiture de police qui vient de passer au sud. La canard dessus. Je fais l'immeuble qui est juste au sud du nôtre. Juste à côté, tu sais. Celui qui est collé. Ok. Moi, je reste sur mon toit, je suis bien là. Ouais, t'as raison. Je vais surveiller un peu aussi. Essaye de voir si tu vois le airdrop vite fait. Il n'est pas tombé encore. Voilà, j'ai bien fait d'être venu faire cet immeuble. Et il est tombé ouest-nord-ouest. 90 balles d'AK-47. Ouest-nord-ouest, ça nous fait dans les montagnes, il va tomber. Ouais, c'est en train de tirer aussi dans la ville, là, côté Comico. Et qui te soigne sur le toit, j'avais pas vu, disons. A plus faire. De toute façon, ouais, il est déjà 11h23. Je vais pas trop tarder non plus. Peut-être deux petites heures de live, c'est déjà pas mal. Bien calme d'un coup, donc. Ah, pas si, je sais dans, pas encore. T'es dans si la maison à côté de celle avec des À l'étage, c'est ça? T'as vu un mec à l'étage de la fenêtre, c'est moi. Ouais. C'est toi, ouais. T'as échappé à une flèche. Il m'a tué. Merde.
crois que t'as voulu dire des bisous, non, Vinoc. Il est gouré, il a ripé. Il y aurait des seins. J'ai l'immeuble d'en face, à l'est. Putain, c'est une voiture qui a explosé, ça, je crois. Ouais, il y a une belle explosion là, je sais pas où c'est venu. Récupère des munes de pompe que je te filerai. Hein. Ok. Oh, c'est des bombardements, je crois, ça, non? Bah, je sais pas, parce qu'il y avait pas d'avion qui était passé juste avant, donc. Ça se peut que ce soit des mecs qui viennent de balancer des grenades parce que j'en ai entendu deux explosions avant que ce soit deux bagnoles. Peut-être. Ça, c'est le fameux lance-roquette de Battlefield, celui qui envoie des trucs en rectiligne et qui fait des explosions monstrueuses avec lequel j'ai joué hier soir. Mais ça, c'est moi, ça, c'est mon arme, tu vois, c'est celle qu'il me faut. Elle fait tout exploser, quoi. Les roquettes les plus puissantes du jeu, quoi. C'est calme. Ouais. Tant mieux. On aime le calme. Le calme et la volupté. 150 balles d'AK, ça devrait aller. On comptait les 300 balles d'AR que j'ai. Et les 19 kits de soins. Je vais pouvoir t'en donner si tu veux. Non, j'en ai 9 moi, donc ça m'ira. Les mecs ils sont tellement refaits quoi. Putain, mais prends le molotov. 60 balles d'air de plus. J'aimerais bien trouver des balles d'AK encore en plus, parce que comme ça, avec des balles d'AK en plus, je peux vraiment arroser comme un porc. J'ai assez de mun quoi. Ça pour mourir comme un gros boulet, bien sûr. Je suis sûr qu'il reste des gens dans cette ville. Hein. Pourquoi pas, elle est dans la zone. Plein dedans même. L'intégralité de la ville est dans la zone. Le loup, qu'est-ce qu'il y a personne dedans. Tiens, regarde, mauvaise langue, il y a une voiture qui arrive devant. Elle arrive devant, mais moi je suis pas dans. Je suis plus à côté. Une voiture qui vient de s'arrêter devant l'immeuble où je suis. Et t'es où exactement? Puis l'immeuble d'en face de là où il y a les escaliers. Ok. Je sais pas si les mecs sont en train de venir faire mon immeuble ou pas. Bonne explosion, mais putain. Je guette les escaliers, moi, là où je suis. Oh, pas du tout, dans quel bâtiment t'es, c'est ça qui... Non, non, mais reste là où t'es. La bagnole, et je le vois pas non plus. Non, mais ils sont juste parqués devant en fait. Pas où ils sont allés après. Ah, il y a une bagnole, ouais. Bagnole de flics. J'en sais rien, je les ai pas vus, j'ai juste la voiture s'arrêter. Une bagnole de flics sur la route principale côté sud de la ville. Sorti de mon immeuble, je me casse, et je sors derrière, je vais vers là où on était, justement. Trouver une bagnole sans plug, sans rien. Ouais, parce que c'est eux. Ah, c'est eux? Et c'est une voiture qui vient de s'arrêter. C'est une Jeep? Je sais pas. Il y a une voiture qui vient de s'arrêter au croisement. Parce qu'il y a une Jeep que j'ai trouvée sans rien dedans. Sur la route principale? Ouais. Je suis reparti à l'immeuble où on était, quoi. Il y a l'autre genre. Caché dans l'immeuble où il y a rien, l'immeuble vide. En attendant que tu reviennes. À se faire avoir comme on a fait tout à l'heure, quoi. J'aurais dû limite balancer une grenade sur leur bagnole, hein, okay. J'avoue. Gros bâtard. Ça aurait été peut-être le meilleur plan pour le coup.
On peut passer, non, on peut pas passer par là. Il va falloir qu'on fasse le tour. C'est une tuette. Bah, dans l'idée, faudrait quand même qu'on arrive à se trouver un véhicule, quoi. Faudrait niquer les mecs qui avaient la bagnole. Mais... Et va savoir où ils sont, quoi. Ouais. Il y avait une autre bagnole de flic aussi qui traînait. Non, mais on va aller voir du côté de Romero pour le coup. Attends. Là-bas, il y a de la fumée. Bagnole, ça, non? Ah, il y a une Jeep juste derrière le bâtiment, là. Ah putain, contrebas, ouais. Il y a peut-être des mecs dans le bâtiment aussi, remarque, les portes sont ouvertes, non? Ah non, il y en a une qui est fermée. On va regarder quand même du Romero si on a pas une, ça nous évite d'avoir à descendre, mais... On va redescendre, écoute. Hein. Faire le tour, on va descendre, on va aller chercher cette voiture-là. Hein. Star surplaisante. Fais gaffe au coin de la rue. Attention, c'est un pédobert, ouais. Désolé hein, pour les messages sur YouTube, c'est vrai que comme le chat est très monotone en fait, est très blanc noir et ça, j'ai un peu de mal des fois à voir les messages. Alors, salut Alexandre Gomez. Il y a tout. Il y a tout. C'est une voiture neuve. Cassos vers le camp militaire ou pas? Attention, pour tirer sur les ennemis qui sont en voiture, j'ai une arbalète. Merde, je l'ai descendu. Putain. Ouais, go camp militaire. J'ai jamais vu. On peut sortir par là, remarque. T'as pas vu la refonte du camp militaire? Ouais, vas-y, par là. Je vais aller te montrer la refonte du camp militaire. Oh, voiture en face. Ouais, police direct. La police. Ouh. Allez, c'est bon. On fait la guerre. Allez. Par contre, je me dis que t'aurais peut-être dû me laisser conduire parce que t'as une AK. Vas-y, tu peux te demander. Vas-y. Ah putain! Putain de truc tout bugué quoi! C'est bon. On sait pas où ils sont passés du coup, mais bon. Ouais. C'est pas grave. Wouh! Laisse-moi conduire, qui disait. C'est ça. Bon, on va aller à l'ouest. En même temps, je peux pas me défendre. Tout à l'heure, j'ai fait un de ces simili crash avec la voiture. C'est plein ouest, c'est ça le. Le camp? Ouais. Ouais, c'est plein ouest. Derrière l'espèce de petite montagne en fait. Espèce de une physique espèce de des voitures, bonjour. Ouais. Tout va bien. Putain, les boss là, mon dieu quoi. J'ai toujours mon permis, mais j'ai bien sûr que j'ai mon permis. J'ai mon permis, mais dans ce jeu-là, non. Dans ce jeu-là, les voitures, elles ont un peu de mal à tenir la route sur ce jeu-là. Elle glisse, ça devait naître, les machins. C'est ça. Dès que tu prends un saut, tout de suite, elle tombe sur le côté. Ouais, donc puis quand tu tapes pratique. Un caillou, regarde, comme je disais, Yamato la dernière fois, il a fait. Qui décolle. Yamato la dernière fois, il a fait une vrille en tapant dans une poubelle. Donc, les voitures ont une physique douteuse dans ce jeu. Allez, super. Ah bah on va se retrouver rien, à pied, non? Attends. 47%, 41%, on sort. Sort. Alors, pas la peine. La bagnole,
va mourir. Boum. Non, reviens. Voilà. Et une voiture. Attends, attends. Donc on est en C4, c'est bien pour une voiture qui vient d'exploser. Dédicace Citroën. Ah mais le camion il est plus dedans en fait là. Je sais pas justement. On va voir. Dédicace, on est perdu dans les bois maintenant. Parfait. Ouais. En même temps tu me diras, on a assez d'équipement, on est pas non plus... Retour à la nature. Un quad. Il y a un quad. Bah génial, ouais, c'est bien. Le quad qui attend en bas de la montagne. Ouais, et puis il est plein. Il hein. Y a un mec qui a dû le conduire un petit peu, mais... On n'est pas sûr, non, on n'est pas sûr d'arriver en un seul morceau, non. Clairement pas. En plus, avec le quad, c'est encore pire. Les mecs qui scoutent la map complet, quoi. Donc on va pas aller au camp militaire, c'est une mauvaise idée. Hein. Ah ouais, et puis c'est pas du tout le truc qui fait du bruit à 10 km quoi. Ah, c'est un avion ça. Ça va être pour nous, tu vas voir. Ah non, ça va. J'ai eu peur qu'il aimante encore les bombes sur lui, Natara. Là, si je meurs tout seul et que toi tu restes vivant dans le quad, je fais un procès. Hein. Putain de quad de merde. Oui, c'est quoi ce truc? Eh, c'est censé faire de l'off-road le quad. Le truc, il arrive même pas à monter, quoi. On est pas du tout grillé. S'il y a des mecs en haut, ils savent qu'on arrive, quoi. Ouais, et moi, je sais pas qui sont là. Il y a une paire de choux sur la montagne, c'est génial. Ah, nice. Ça veut dire qu'il y a un mec qui a atterri là, peut-être, non? Il a droppé ses chaussures. Ça va se passer à plaisante. Faut même pas, y'a même pas de doute. Ça se passe à plaisante. Tu sais que j'appuie sur la marche arrière, le truc il descend quand même. Ça glisse, hein. Putain. Ça va se finir en règlement de compte. Façon western à plaisante. Tu sais que je n'ai absolument rien fait que rouler tout droit en fait. Regarde, hop là. Bien, on a rien vu. La dernière fois, j'ai fait des tonneaux non-stop. En fait, les bagnoles en jeu, c'est des tortues. Quoi. Oh, regarde, le airdrop il est là. Regarde, ah oui, tiens. Oh, le bomb drop. Ah, le bomb drop. De deux avions en plus. Juste où on était il y a deux secondes. Ouais, c'est ça. La bagnole est toujours derrière le Romero, je crois. Derrière le Romero, c'est-à-dire. Alors attends. En bas. Ouais, la safe zone elle va se refermer sur Plaisante, quoi. Oh, on a une belle vue ici là. Putain, mais c'est d'ici qu'on avait vu la belle vue la dernière fois avec Yamato et tout. Là. La vue sur les mecs qui se canardaient, ouais, j'avoue. Ouais. Marc, c'est cool, hein. On est bien, Tintin. C'est bien, là. Toute la ville. On va pouvoir assister au massacre de fin de partie. Oh, si ça se passe dans la ville, ça va être un sacré bordel, hein. Ah, alors, bâtiment, immeuble, tu vois ou pas? Est-nord-est, ouais. Y a deux gus sur le toit.
D'accord. C'est là que c'est dommage, on n'a pas le snipe. Je tente à l'arbalète. Est-ce que j'irai pas voir s'il n'y a pas le snipe dans la... Dans la caisse, ça m'étonnerait. Bah, je sais pas. Qu'elle est restée là. Je sais pas. Ah ouais, la dépop, fait chier. Il y a une caisse qui va... T'inquiète pas, il y a une caisse qui va tomber en plein milieu de la ville. Ouais, c'est ça. Salut Gwen. Salut Gwen, bon courage au boulot. De toute façon, cette partie-là sera la dernière de la matinée, les gens. Je sais pas encore si je streamerai cet après-midi, si je suis motivé, oui, mais voilà. Ah, je vais retirer une flèche. Pour leur dire bon courage au boulot, Gwen. De toute façon, sachez quand même que si je ne ce soir, je ne streamerai pas, pour le coup. Je suis pas là. Demain dans la journée, je ne streamerai pas non plus, mon petit est à la maison. Demain soir, en retour du jeu. Putain, je l'ai pas eu. Ah. Airdrop. Il va tomber pas loin de nous. Allez, hein. Allez, en plein dans la ville, allez. Non, regarde. Pas sur notre gueule. Non, il tombe au nord-nord-est de là où on est. Ok. Enfin, avec le brouillard... On pourrait très bien y aller à pied, de toute façon le quad il nous apporte rien à part faire du bruit quoi. Hein. Autant la voiture elle te propose un peu de protection, autant le quad il t'apporte rien du tout quoi. Hein. Ouais bah le quad hein, c'est... C'est limite comme le truck. Hein. Eh, ta flèche est tombée sur le toit. Ouais, non mais je la tire dessus depuis tout à l'heure. Bon, on va voir, bim, Datara a tué un mec, tu vois, à la crossbow. Ah, ils sont plus sur le toit là. Je sais pas, ça se trouve ils sont décidés de partir la chercher la. Tu peux surveiller les mecs et me dire s'ils restent au bout. Ils restent quoi? S'ils restent au bout de l'immeuble où il était. Alors, attends. Les deux bougent là. Il y en a un qui est posé au coin gauche de l'immeuble. Bouge pas là. Ah vu. Attends, on va tenter. Hein. Dis, ça tombe. Ça tombe. C'était pas assez haut. Et un peu trop à droite. Un tout petit peu plus haut et à gauche. Et tu vises comment en fait là? Tu vises en in-eyes ou pas? En in-eyes ouais, t'as une lunette et en tout. En première personne. Ouais. Toujours pareil, plus haut, gauche. Un peu plus à droite. Là, les mecs ils sont en train de faire du mortier, tu sais. Oh putain, un peu plus bas. Un petit peu plus bas. Ah, plus bas encore. Ah, c'était trop bas. Oh putain. Un petit peu plus haut. On doit faire quoi? On doit survivre. Ah putain, il est plus là. Je sais pas s'il s'est couché ou quoi, ou qu'est-ce, mais il est plus là. Même la dernière flèche a été passée trop large à côté. Il est debout là, non? Hein? Non, moi je le vois plus. Regarde mes couilles. Et en plus, à cette distance là, les mecs ils sont buggés. Donc. Oh putain, va falloir qu'on se bouge. La zone n'est pas du tout où on est quoi. Bon, allez, c'est parti, on court. Bah, tuer des gens dans la mesure du possible. Le but c'est d'être les derniers debout. Maintenant, si on croise des mecs, on essaie de les tuer. Hein, c'est tout. Si on n'en croise pas, bah on n'en croise pas malheureusement. On croise pas toujours. C'est-à-dire Alexandre. Ils ont fait quoi les gens? Bah ils sont là pour survivre aussi. Le but du jeu c'est d'être les derniers survivants.
D5, on est où encore là? On est dedans ou pas? D5, on est encore. On est presque dedans quoi. Si on doit pas être très loin d'être dedans. Oh, il y a le airdrop qui est juste en face quoi. Putain. Ouais. En fait, le repère c'est le nord de la ville quoi. Il y a encore la station service. C'est pas trop loin de la station service, on peut monter encore un peu. Pas pour nous, c'est juste à côté. Ouh, au-dessus de la montagne. Ouais. Je pense qu'on est pas très loin d'être dans la zone. Il va commencer à y avoir des gens qui vont venir de la ville, je pense. Yep. Ouais, ça va être à la sortie de la là, ville. Là, on est au motel. Là. Juste à côté du drop. Le motel, on est pas bon, je crois. Le motel, on est limite, il faut monter encore un peu, je pense. Du derrière le motel, si, je pense qu'on est bon. Hein. Oh putain, il est pas loin de nous, celui-là. Limite hein, celui-là, hein, putain. Ouais. Voiture qui est passé à l'est. Passé sur la route. Sur la colline. Et là, il est au nord-nord-est. Il remonte. Juste derrière le motel, moi. Le il gaz va, arrive. Il va au... Le gaz arrive, on va bien voir. Voilà, ouais, le gaz est bon, là, on est bien. Alors, next zone. Il va falloir qu'on monte encore. On n'est pas bon, là. Viens, suis-moi, on va faire le tour par la ligne extérieure. Alors ça se tire au nord-nord-est. C'est où? Là là là. Derrière toi. Là. On va faire le tour, on va longer le bord pour aller. Attaque des ennemis. Oh putain, y'a un mec qui a le snipe. On monte quasiment en haut de D4 quoi donc. Sur nous ça est sud-est, je sais pas si c'est sur nous. Je pense pas que ce soit sur nous. Pas sûr. Hein. Regarde le drop, Amnay. C'est à l'est, plein est, ouais, c'est là que ça tient. Regarde le drop. Ouais, c'est ça. On va les laisser s'enjailler. Moi je prendrais bien un point derrière eux pour leur mettre des balles, justement. Ouais. Mais je les vois pas. T'en vois un et qui te voit pas, tu me le dis, tu le tues pas, je vais essayer de le toucher à l'arbalète. Airdrop qui va tomber. Un nouveau airdrop là. Ouais. On n'est pas dedans. Hein. On continue à remonter, on n'est pas dedans. Mais pas du tout. On bouge, faut qu'on bouge. Attends, viens. C'est où ces cons? Ils sont autour du Kreis. T'es allé par où toi là? Je suis parti au nord parce qu'on est pas, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans du tout quoi. Le fait est que hein, le gaz il va nous dépop. Hein. Grave, on a 19 qui... Y'a un quad qui fume au milieu. Voilà, là les mecs sont en train de se canarder aussi sur la nouvelle zone. J'ai pas entendu les tirs par contre, pas cool. Ah, si, ça y est. Alors, il me faut une arbalète. On charge la flèche. Mec joue avec une arbalète quand même. Ouais, j'ai envie d'en tuer un.
Mieux que l'arc quand même, l'arbalète. Hein. Ah, où ils sont quoi. Ça canardait grave là, au nord. Ah, putain, et puis le. Oh là, le soleil là, putain, la vache. Pas rien. Ça va sûrement arriver derrière nous aussi. Ah oui, ça s'arrache, hein, putain, la vache. Ça s'arrache la gueule. Pas où en fait, c'est ça le truc, j'arrive pas à savoir. Les mecs sont sûrement dans les bois de l'autre côté en fait. On est limite hein. Putain, putain dans le gaz. T'es dans le gaz? Ah voilà. Regarde la crête, elle est en train de tomber là au est-nord-est. Petit gaz. Ah putain gaz, faut redescendre encore. Faut que je mette un pack sinon je vais crever. Ah putain, on est pas dedans du tout. Ah c'est bon. Ouais mais on est dans la nature quoi. Dans la baie Michael, dans la baie. Ah bah je suis putain. Mort. Sniper. Ouais le fils de pute il snipe quoi. Pas où il est. Sniper. Je vais le chercher, je m'en bats les couilles. Il est dans la forêt à l'autre bout. Je sais qu'il est dans la forêt. Ah. J'ai vu. Oh, t'as palmé la forêt. Oh le bâtard. Il me guettait. J'attendais à ce qu'il décolle de l'autre côté quoi. Chier. Ah, j'ai réussi quand même à approcher du snipe beaucoup hein. Parce que le mec il en a raté des shoots. Hein. Bon. Quatrième, ça va. C'est mieux que. Ouais, ça va. On va aller ouvrir quelques crates. Pour ouvrir quelques crates, je vais aller sur un serveur classique. Ne bougez pas tout de suite. Je désaffiche le jeu parce que vous vous doutez bien que je vais acheter des trucs. Donc on va éviter de le montrer en stream. C'est le numéro. Ouais, c'est ça. Ne me prenez pas non plus pour une andouille, comme on dit. Je vous montre même pas sur quel serveur je suis, tout ça. Pas les couilles. On va voir si on a de la luck avec les crates pour le coup. Bon alors. Voilà. Donc j'ai de quoi ouvrir 10 caisses. Voilà. Hop, on va rafficher le jeu. J'ai de quoi ouvrir 10 caisses. Alors, allons voir tout de suite. Lesquelles seraient intéressantes? Ça c'est ce qu'il y a dans les Vigilante Crate. Est-ce qu'il y a des trucs qui pourraient être intéressants pour moi? Non, je crois pas.
Fais voir dans les dernières là, tiens. La Showdown Crate. Qu'est-ce qu'il y a dans la Showdown Crate? La Kevlar. Attends, il y a même un skin de Kevlar Vest, s'il te plaît, quoi. Ah, skin de la R15, ça pourrait être sympa de le dropper, hein. La Renegade, il y a quoi dedans la Renegade? Oh, il y a deux skins d'armes et tout. On pourrait très bien ouvrir la Renegade, tiens. Allez, on va ouvrir la Renegade pour commencer. Alors. Ah bah, t'as raté tout, Marie Garnier. Marie, sur YouTube. Je suis en train d'ouvrir des caisses, c'est la fin du stream de ce matin. Donc, je suis en train juste d'ouvrir des caisses. Voilà. Alors, c'est quoi déjà celle-là? Renegade, j'ai dit, hein. Renegade Crate. Hop. Merci, Renegade Crate. Ok. Alors, unlock. Est-ce que j'ai de la chatte? Est-ce que j'en ai pas? J'ai de la chatte, est-ce que j'en ai pas? Et je vais avoir de la merde. Des skins de bot. Tout pourri. Putain, ça aurait pu être le tactical helmet. Il aurait eu de la gueule. Bon, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les mercenaries? Oh, mercenaries, il y a pas mal de skins. Des trucs sympas en plus. Mais ouais, grave. Bon, on va ouvrir déjà une mercenarie là, tiens, allez, hop. Elles sont un peu de la musique, tiens. Oh putain, j'aurais pu dropper la ghillie suite, pas un vieux bob tout pourri. Oh la vache, une écharpe de merde. Putain, ça aurait pu tomber sur la ghillie suite, quoi. Bien, quoi. Je vais aller voir ce qu'il y a dans les autres, s'il y a des trucs intéressants. Un truc qui pourrait me plaire, on va dire. Putain, même pas le bob. Non, ça me plaît pas. Bon, oh, les émotes, on s'en bat les couilles. La Invitational, il y a quoi dedans? Wow, que des t-shirts, Osef, des t-shirts. On avait dit, y'a quoi dans la Vigilante? Bon, en fait, si tu drops les muscle leggings, ça tu peux les revendre cher, je crois. Les gens ont tendance à les acheter, ceux-là. Vas-y, on va ouvrir les mercenaries, ils ont des trucs, c'est un des trucs intéressants, les mercenaries. Je vais reprendre. Allez. 4 clés de mercenaries, allez. On va ouvrir 4 cases mercenaries. Ah, mais putain, ça aurait pu s'arrêter sur le skin d'AR, non? Sur un vieux camo tout pourri, là. Moi et la chance, c'est pour ça que je joue pas au loto. Ah. Oui! Bah, c'est pas. Alors, ça aurait pu être l'AR, mais c'est pas grave, c'est un eye patch. Elle est pas mal ce skin, en violet et tout. C'est bien, un truc différent quoi, un peu. Un peu de chat quand même. Un crosshair, il est moche, mais c'est pas grave. Putain, je vais le dropper en double. Ah non. T'es tombé sur le Snake Skin ce coup-ci. Deux iPads, donc maintenant tu vois plus rien, c'est ça. Hein. C'est ça. Allez, encore une écharpe. J'en ai encore une, ouais. Non, j'en ai plus. Alors, on va arrêter la Mercenary Crate. Attends, je vais voir le Mystery Bag aussi, tiens. Mystery Bag. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Ah, l'Alpha Launch, elle avait quoi déjà, celle-là? Oh, que de la merde. Je pourrais ouvrir un Marauder, peut-être, non? Marauder, non. Peut-être les Showdown. Allez, on va ouvrir des Showdown, tiens.
méthode, l'indépendance et ma richesse. On revendique qu'on vient du sud, quitte à en payer le prix cher. Le but n'est pas de fermer les portes, de faire la guerre entre MC. Mon rap est signé FUL, non pas jamais. Vas-y, j'ouvre deux showdown. Ah, parce que j'ai vraiment envie des skins qu'il y a dans le. Dans la maraudeur, quoi. Dans la mercenarie. Mercenarie, elles sont pas mal, quoi. Ah ouais, mais si t'es si t'es no sound, tu peux pas savoir. Oh, le shirt de merde. Allez, tête de la loque sur ce reste là. Ah putain, il aurait pas pu s'arrêter sur la Kevlar Vest là. Putain. Ouais, les skins du mercenari me plaisent bien. Surtout, j'aimerais bien tomber sur les skins d'armes, allez, ou une ghillie suit. On va ouvrir les deux caisses. Deux caisses, allez, hop. Deux caisses mercenari, c'est parti. Et après, on ira manger. Il est midi quand même. Allez. Ghillie-suit. Voilà, les mecs, j'aurai un skin de Ghillie direct. Dès qu'on commencera la game, je serai reconnaissable tout de suite. Allez, un petit skin de Kevlar Vest et c'est bon, quoi. On est refait. Ça pique sur quoi, la Ghillie-suit? Par la place de ta veste, place de ton t-shirt, quoi. Sérieux? Ouais. Ah, encore une écharpe. Merde. J'aurais aimé une Kevlar Vest. Bon. Attends, on va voir tout de suite. Regarde, Ghillie suit. Non, on peut pas. Je sais pas ce qu'il faut pour la play. Ah non, il faut la Ghillie suit pour la play. Mais c'est pas grave. C'est un skin de Ghillie suit, je pense que ça doit se vendre, ça. Ah, t'as les skins de bottes et tout. Hein. Non, c'est un skin de Ghillie, faut avoir la Ghillie, effectivement. Tant pour moi. Mais quand même, un skin de Ghillie. L'écharpe, je pense que c'est vraiment un skin à la place du masque qu'on a au départ. L'eye patch, ça peut être rigolo à la place des lunettes de soleil et tout. Ouais, ça peut être pas mal. Non, regarde ça, moi, j'ai droppé des trucs tellement pourris. Regarde. Ouh, je montre mes muscles. Ouh là là, je suis musclé. Il y a un Marcel, quoi. Bon. Voilà, s'arrêter là-dessus. Merci d'être venu suivre. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ceux qui sont restés, merci d'être venu jouer avec moi, Datara. Ça va couper, à mon avis, le stream là. J'ai plus beaucoup de place sur le C de point. Ça va couper. Merci pour les cascades en voiture. de rien, ça me fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon appétit. Et je sais pas si je streamerai cet après-midi. Donc si je stream cet après-midi, on se retrouve cet après-midi. Je ferai peut-être un petit stream vite fait, un tout petit peu, quoi. Donc on verra bien si je suis motivé, sur quel jeu, j'en sais rien. À quelle heure, c'est pareil, j'en sais rien. D'ici là, je vous souhaite à tous un bon appétit, un bon après-midi si je ne restream pas ou si on ne se revoit pas. Donc pas ce soir non plus, ce soir je ne streamerai pas. Si c'est pas le cas, bah je vous dis à demain soir pour jouer. On va jouer, on va rigoler, je sais pas, j'ai des envies mais d'ici là ça peut changer. Donc à très vite. User disconnected from your channel. Tu sais me parler de ce qui me plaît. Tu sais m'emmener où l'on ne va jamais. Tu sais deviner tout ce que je veux dire. Mais là, je trouverai les mots pour te retenir. Mais là, tu sais me parler de ce que je vaux. Tu peux me demander.
tout sans un mot. Voilà, tu sais deviner tout ce que je veux dire. Mais moi, je trouverai les mots pour te retenir. Ah, 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 ah. Au plus profond de moi, mon amour, si je ne devais passer qu'un seul tour, je ne rentrerais pas chez moi, mon amour. Quand mon mauvais sang ne fait qu'un tour, je ne sais pas si je touche du doigt, mon amour. Laisse-moi te montrer un jour ce que je cache au plus profond. Qu'un seul tour, je ne rentrerai pas chez moi, mon amour. Un de tes mots vaut mieux qu'un long discours. Je ne sais pas si je touche du doigt, mon amour.